La magie reprend. Bienvenue à tous, bienvenue les amis. Je suis heureux de vous retrouver. Peut-être que vous allez voir que j'ai un peu de mal avec le souffle, mais oui, effectivement, je sors d'un Covid un peu compliqué. Mais voilà, je crois qu'en fait que tout le monde en ce moment est un peu touché un peu de partout, hein. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va un peu mieux, ça va même beaucoup mieux, on va dire. Bienvenue à tous, bienvenue donc aussi à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Et oui, vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints depuis quelques temps là, suite au reportage hein, qu'il y a eu essentiellement sur BFM TV Toulon, mais qui a été diffusé un peu de partout via Internet. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien en description si vous n'avez pas vu le reportage. Et aussi le reportage de LCI. Malheureusement, celui-ci n'est pas passé sur Internet. Apparemment, c'est très compliqué avec LCI de mettre à jour leur reportage. Donc, j'ai regardé, les mises à jour sont très loin. Donc, en fait, ils ne font pas de suivi de leur reportage. C'est bien dommage. Voilà, c'est bien dommage. Il était sympa. Il était sympa aussi ce reportage-là. Écoutez, je suis heureux de vous retrouver. Et puis surtout, je vous souhaite à tous une bonne année 2022, pleine de magie, pleine de surprises, pleine d'aventures, avec la sortie cette année, vous savez, de volet numéro 3, des Animaux Fantastiques. Certains l'attendent, certains ne l'attendent pas, certains ont dit, bon, je m'en fous pas mal, j'irai même pas le voir, hein. Mais voilà, moi, oui, j'irai le voir, bien sûr, je veux voir pour me faire une idée. Mais surtout avec ce changement, hein, voilà. Bon, enfin, on verra. On ne jugera qu'une fois l'avoir vu. Voilà, et c'est bientôt, hein, ça arrive bientôt. Suite à ces reportages, donc j'ai eu beaucoup de messages. Ouais, vraiment, j'ai peut-être pas eu le temps de répondre à tout le monde, hein. Mais voilà, j'ai eu énormément de messages, énormément de contacts. Même de demandes, s'il vous plaît, on veut venir visiter. Je dis, mais dans ce cas-là, c'est pire que pour aller faire le test dans le nez, hein. Vous faites la queue là pendant 2-3 heures, hein, avec le monde qui m'a contacté, hein, c'est incroyable. Hein. Je peux pas faire ça, forcément, je peux pas inviter tout le monde à la maison. Mais cependant, je vous invite à regarder donc ce room tour que je vais réaliser et que vous allez visionner avec moi, hein, voilà, un room tour. Je sais, vous allez dire, mais il en a déjà fait quelques-uns, oui, mais ça change sans arrêt. Voilà, il y a des nouvelles pièces qui sont arrivées, je les montre pas forcément toujours sur le groupe Facebook Eva London et les fans d'Harry Potter, où je vous invite bien sûr à vous abonner, ainsi qu'à cette chaîne vidéo, bien sûr, à cette chaîne YouTube, qui est une chaîne de passion, de passionnés, sans aucun intérêt financier, je tiens à le répéter. Mince alors. Je ne gagne absolument rien, juste le partage, le plaisir, et puis rencontrer de très gentilles personnes, vous, hein, vous qui êtes, c'est vraiment un monde magique. Je savais déjà que c'était un monde magique, mais voilà, on a vraiment ce lien magique entre nous, et je suis heureux de vous avoir rencontré par cette chaîne YouTube, qui est une chaîne de passionnés, de fous de la magie d'Harry Potter, voilà. Donc, écoutez, je vous laisse donc avec cette magie Harry Potter dans ce room tour, avec ce magnifique Lego Edwige qui est juste là, voilà, on voit les ailes, voilà, qui est juste là, hein, voilà, et puis d'autres qui sont arrivés, voilà. Je vous laisse visiter donc ce musée Harry Potter, ce musée qui est aussi ma maison, hein, voilà, accessoirement, hein, voilà. Parce qu'on me dit, oui, mais on voit que tu commences à manquer de place. Il y a longtemps que je commence à manquer de place, hein, oui. Donc, j'essaie d'arranger les choses, j'essaie de vous montrer un peu tout ça. Je vous invite donc à visiter ce musée directement via cette vidéo. Et puis, je vous souhaite à tous encore une bonne année, meilleurs vœux, bonne santé et tout ce qui va avec. Voilà. Passion, amour et fidélité à la chaîne. Oui. Allez, bon visionnage à tous. Je vous retrouve pendant toute la vidéo, bien sûr. Allez, à tout de suite. Let's go. Bienvenue, Harry, au chemin de traverse.
truc qu'il faut pas oublier, c'est que quand on est collectionneur, tout ça derrière, il faut le nettoyer. Et chaque case, de temps en temps, je sors tout et je les fais pas toutes le même jour, je vous assure. Parce que sinon, alors là, il me faudrait un temps pharaonique. Mais par contre, de temps en temps, on sort tout, on enlève tout et on nettoie tout, toute la poussière. Bon, allez, on continue.
Dans cette maison, nous jurons solennellement que nos intentions sont mauvaises, parce que nous faisons partie de l'armée de Dumbledore, la bravoure d'un Gryffondor, l'intelligence d'un cerf-d'aigle, la loyauté d'un Poufsouffle, la ruse d'un Serpentard. Ensemble, nous nous battons pour une cause qui en vaut la peine. Nous nous sommes emparés de toutes les reliques de la mort. Nous savons que toutes les réponses se trouvent à la page 394. Nous savons que l'on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres, parce que nous sommes des passionnés d'Harry Potter. Et voilà les amis, voilà, ça c'était un peu un room tour de tout ce que la collection comporte. Forcément je ne suis pas rentré dans les détails, forcément il y a d'autres choses que vous n'avez pas vues, parce qu'il y a toujours des trucs en préparation, comme ça exactement, je vous montre ça, c'est avant qu'il soit terminé bien évidemment. Là vous avez le bateau, la galère, le drakkar, enfin, de Victor Krum quand il arrive dans la coupe de feu. Vous voyez, il est là, il est en réalisation actuellement. Je ne sais pas encore où je vais le mettre. Franchement, c'est un truc de malade. Je ne sais pas du tout où je vais le mettre. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous le montrerai plus en détail. C'est ça, hein, en fait, voilà. C'est donc Wizardly World qui fait ça. C'est en carton, vous savez, c'est l'assemblage de carton. Il y a quand même 321 pièces, c'est quand même pas mal. Et mon épouse est en train de le réaliser. Et il est juste gigantesque. Je ne pensais pas qu'il était aussi gros. Je vous montrerai ça une fois qu'il sera terminé, parce que franchement, c'est une toute beauté. Bien sûr, je ne sais pas encore où je vais le positionner. Ça, c'est un truc. Voilà, c'est un truc. Voilà. Bah écoutez les amis, si vous avez aimé ce room tour un peu actualisé, on va dire, de la collection. J'ai du mal à, vous voyez, je parle, mais en fait, voilà, c'est le Covid, ça m'a un peu séché, j'ai du mal à reprendre ma respiration, donc voilà. Donc je disais, si vous avez aimé ce room tour, je vous invite donc à vous abonner bien sûr sur la chaîne YouTube, parce que ça nous fait plaisir, et plus on est de monde, plus on s'amuse, plus on a de connaissances, plus on rencontre du monde, c'est vraiment 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 super agréable. Alors n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, c'est un truc à faire, hein, parce que franchement c'est, voilà, c'est le top, hein, voilà. Je vous vois de plus en plus nombreux, je vous vois de plus en plus participer à nos, je reçois pas mal de messages et tout, c'est vraiment vraiment très 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 agréable. Alors merci à tous de votre fidélité, merci à tous les nouveaux abonnés, et puis je vous donne rendez-vous bien sûr pour une prochaine vidéo, une fois que j'aurai repris mon souffle, voilà, allez, merci à tous, et puis je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, allez, ciao, bye, ciao.